Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'être ici ce soir avec vous. Donc oui, je suis Oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris. Et oui, l'humour c'est mieux à deux. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Arnaud Joyet, s'il vous plaît. Arnaud Joyet. First time au Champon Feugerolles. Bonsoir, je suis le 2 avec qui c'est mieux à. Oui, alors, donc oui, l'humour s'est mis à deux, mais on a remarqué que la chanson aussi, on a tous en mémoire forcément des duos qui nous ont marqué, des choses qui sont restées, bah, je sais pas, par exemple Renaud et Axel Red, ça a été quand même un. Oui, qu'on pourrait traduire par Renaud et Axel Rouge. Il ne fallait pas spécialement d'intérêt, mais en tout cas, non, mais même des trucs bien franchouillards, prenez Stone et Chardin, ça a quand même cartonné. Oui, qu'on pourrait traduire par Pierre et Chardon. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de tout traduire, ce sont des noms de famille, donc voilà, je pense qu'on peut attaquer. Ce qui est important de dire, c'est que oui, pour cette soirée, j'ai écrit une chanson, un vrai duo, voilà, que je voulais faire avec mon ami Arnaud. Dans lequel on se répond. Voilà, une chanson. On se renvoie la balle, un peu comme des tennismen. Exactement. Qui se renverraient la balle, finalement, sauf que les raquettes, ce serait la guitare, et puis les balles, ce serait les mots. Ouais. C'est ça. C'est une très très belle métaphore. Merci pour ça, Arnaud. Je vous en prie. Voilà, je propose que on attaque la chanson. Allez. Tout le monde a hâte. Allez, youpi. On va avoir besoin de vous ce soir. Je voudrais tellement que tout le monde sache en plus quand on y pense le plus important. Arnaud, non, c'est. Nous avons constaté que la vérité. Arnaud, là on chante la même partie. Là vous vous rappelez en fait quand je vous envoyais la chanson oui, dans le mail, vous vous rappelez Ah oui, je me rappelle bien, ouais, parce que là c'est ça fait bizarre, du coup on se renvoie pas tellement la balle. C'est ce que je voulais dire. On dirait que c'est un mur au tennis. Ouais. Là, en fait, j'avais fait un mail très clair. Vous vous rappelez du mail? Oui. Voilà, j'avais bien taillé. Vous l'avez en. Ah oui, je l'ai en tête. C'est voilà. Salut Coco. Oh là là, quelle soirée hier. Oui. Ah là là, elle était pas farouche, Sylvie. Oui, là, je parlais vraiment la partie chanson. Oui. Vraiment, concentrez-vous. Oui, chanson. Et vous pouvez en parler. Prends la partie en noir. Oui, oui, non, mais il y avait pas de majuscule. Apprends. Je sais pas. Moi je sais, il n'y en avait pas. En fait, c'est parce que le début de la phrase était juste sur la ligne au-dessus. C'est le principe de la lecture, si vous voulez. J'avais mis il y a des parties en rouge, des parties en noir. Je prends donc la partie en noir. Donc, sous-entendu, vous prenez la partie en rouge. C'était ça le. Ah ouais, parce qu'il y avait des sous-entendus et tout. Il y avait clairement un sous-entendu. Ah ouais, alors à ce moment-là, super. Moi j'ai pris la partie en noir, c'est écrit je prends la partie en noir. Je suis pas oui, débile. Non, mais c'est moi qui ai envoyé le mail. Donc à un moment, vous voyez, pour comprendre peut-être que c'était la partie en rouge à un moment. Ah ouais, donc on part sur la mauvaise foi direct, quoi. Alors. Moi aussi, j'ai envoyé des mails et j'en fais pas tout un fromage. Non, mais enchaînez là, parce que on est en train de perdre les gens déjà qu'on les avait pas attrapés. Évidemment, c'était ça la solution pour repartir pour de bon. Ah, mais c'est chiant. De vivre. C'est hyper faux en plus que vous faites là. Déjà, c'est con et c'est faux en fait. Mais oui, mais vous avez mis entre parenthèses et là, on fait une harmonie au feeling. Oui, bah exactement ce que j'ai marqué, ouais. Oui, moi, mon feeling, il me commande de faire un fa dièse. Pas en do mineur, Arnaud. C'est jazz. Non, c'est hyper moche. C'est jazz. Non, mais continuez, moi, je vais aller chercher mon instrument. Alors que l'individualisme fait rage. C'est quoi, Arnaud, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vous qui m'avez demandé d'apporter un tambourin. Ouais, mais j'ai employé le mot tambourin. J'ai pas dit cochon avec des poids qui fait. Oui, non, mais. Ah oui, non, mais ça, c'est. En fait, c'est la faute à Kiki. C'est qui, Kiki? C'est mon chien. En fait, il a bouffé mon tambourin. Et alors, du coup, pour le punir, je lui ai pris son goret et je m'en sers en guise de tambourin. Non, mais Arnaud, vous comprenez bien que c'est pas lui que vous punissez, là. C'est nous et puis les gens par la même occasion, là. Si vous auriez vu sa tête, il était vraiment puni, hein, parce que. Il me regardait comme ça, avec ses petits yeux de seins battus, c'était la moitié de lui-même, hein. C'était plus Kiki. C'était qui? En fait, moi, ce qui m'intéressait dans le mot tambourin, c'était le son du tambourin. Là j'ai pas l'impression moi, que... Moi, j'ai rien trouvé qui se rapprochait le plus d'un tambourin. Si vous fermez les yeux, moi, j'entends un tambourin.
Non, ouais, non, là c'est les oreilles que j'ai envie de fermer, Arnaud, là, c'est pas du tout les yeux. Je voudrais qu'on fasse de des chansons là. D'accord. Ce monde où les gens ne pensent qu'à une chose. Donc le son est dégueulasse et vous rendez bien compte, en plus quand il n'y a pas la réponse, ça ne veut plus rien dire en fait. Si vous vouliez pas faire la première partie, fallait me le dire. Moi j'aurais fait de la deuxième partie, il n'y aurait pas eu de soucis. En fait, à un moment, fallait me dire. Moi j'aurais les paroles, je la ferais à la volée là, mais. Je les ai les paroles moi. Comment ça vous avez les paroles? Bah, oui, je les ai imprimées, je suis pas con. Mais bon. On s'ennuie depuis tout à l'heure avec le truc. Vous. Je suis désolé. Ramenez-les là. J'espère que tout le monde passe une bonne soirée. Ce monde où les gens ne pensent qu'à une chose. Arnaud, je fais quoi avec ça, moi? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai rayé tout ce qui m'intéressait pas. Parce qu'en fait, je voulais pas m'encombrer inutilement la mémoire et avec des textes. Non, mais là, c'est les yeux que ça encombre. Moi, je suis pas de la CIA, je peux pas lire au travers des machins, là. Comment vous voulez que je le fasse, là? Ouais, allez, laissez tomber. Moi, je vais faire votre partie, faites la mienne, c'est pas grave. Ok, vous la connaissez? Je vais le faire. Faites-moi confiance. Ce qui est mieux à deux, à n'en pas douter. Ce qui est mieux à deux, à n'en pas douter. Non, vous répétez, hein. En plus avec Arnaud, nous nous sommes dit. En plus avec Arnaud, non, nous nous sommes voilà, dit. Voilà, elle est là la preuve aussi. En plus avec Arnaud, ça vous a pas mis la puce à l'oreille à un moment, ça vous avez pas, ça a pas fait pips à l'intérieur, ça a pas collé debout? Si, ça a fait pips, ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a écrit là? En fait, je vais parler de moi à la troisième personne et tout. Je suis pas Alain Delon non plus, l'autre là. Ça va, avec Arnaud et tout, moi. Mais c'était ma partie en fait. Ah ouais? Ah ouais, c'était votre partie. Bah oui, c'était l'idée, ouais. Ah ouais, bah c'est, bah moi j'ai l'impression que quand même, je voudrais pas être fracassant, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus la même exigence au niveau des textes de Laf. On dirait du Vizorek. Ah mais Vizorek, il est pas chanteur. Bah c'est ça, c'est nul. Mais allez enchaîner, là on est en train de les perdre, on est à la télé, c'est ridicule. Oh là là, refrain. Évidemment, c'était ça la solution pour repartir pour de bon. Ouais, c'est nul. C'est hyper fort. Évidemment, le Seigneur plus malin pour se prendre par la main. Des frères, vous pensez pas qu'il y a un problème aussi là, au niveau de la mise en scène là, de la Corée qu'on avait? Je suis désolé, il y avait écrit sur le mail, par à droite. Mais c'est ma partie là, de toute façon, dans la vraie vie, vous pouvez pas voir. Si vous voulez qu'on se touche à un moment, il faudra. On va inverser. Excusez-nous. Évidemment, à deux seigneurs plus malins pour se prendre par la main. Des frères. Eh hey, oh. Vous faites une double inversion là. En fait, l'idée c'est de se rapprocher pour se toucher la main. Voilà. Il n'y a plus l'effet Covid là. Il faut vraiment se toucher là. Ah oui, il y a des trucs qui se touchent aussi à l'intérieur là. Arnaud, je vais faire une triple inversion. Je vais me retourner. Non, on va arrêter là. C'est catastrophique en fait. En fait, vous êtes la preuve que à deux, c'est pas toujours mieux. Vous êtes une moins-value sur le programme, là, en fait. Vous savez quoi? Démerdez-vous, faites la fin tout seul, mon petit bonhomme. Amusez-vous. Évidemment, à deux, c'est bien plus malin pour se prendre par la main. Des frères. Merci.